Bon. La rue Sainte-Catherine, moi, j'aimerais ça être psychologue de rue. J'aimerais pas ça être urbaniste, j'aimerais ça être psychologue de rue. Ben, psychologue de quartier, parce que je pense que le plus gros problème de la rue Sainte-Catherine, c'est pas qu'elle souffre de désaffectation, c'est qu'elle souffre de désaffection. Ça fait des années que la rue Sainte-Catherine, je crois, ne nous représente plus. Ça fait des décennies que la rue Sainte-Catherine ne nous représente plus. Ne représente plus, je pense, en règle générale, les Montréalais. C'est devenu un centre d'affaires et un bandereau de commerce. Mais on ne sent pas, lorsqu'on va au centre-ville, on ne sent pas la vie. On ne sent pas non plus, on ne sent pas qu'on va visiter un quartier ou des quartiers. On ne sent pas une artère qui chemine à travers de nombreux quartiers, qui nous fait découvrir de nombreuses expériences urbaines. On se sent dans un mall à ciel ouvert. Et en partie. Et ça se reflète dans plein de choses. D'abord, je pense que le centre-ville, quand je dis que le centre-ville ne va pas bien, première donnée, c'est les bureaux. Les bureaux qui sont à 14 % de taux de vacances, un taux normal, c'est entre 2 et 4 % on ne voit pas la solution non plus parce qu'il y a peu de gens maintenant qui construisent, qui veulent attirer leur bureau, leur succursale dans les bureaux du centre-ville. Les bureaux se développent beaucoup dans les banlieues de Laval et de la Rive-Sud. Ici, on a une donnée au tableau sur le tourisme. Quand on demande aux touristes quels étaient les principaux lieux et attraits touristiques visités, c'est en 2013, Vieux-Port de Montréal, premier, Parc du Mont-Royal, deuxième, Basilique Notre-Dame, Plateau Mont-Royal, quartier chinois. La rue Sainte-Catherine n'est même pas mentionnée. Elle l'est en hiver, parce que là, avec moins 15, commence à faire. On a les premiers restent les mêmes, et tout de suite après, on a le centre Étune qui s'insère comme destination, noté par les touristes. Mais une autre chose qu'on remarque beaucoup, alors les spectacles, on sait que dans les spectacles, la scène, etc., sur le long terme, là, si on compare à 15 ans, à 20 ans, on ne s'en va pas dans une direction, il va y avoir de plus en plus de salles de spectacle, de plus en plus de salles de cinéma au centre-ville. Les restaurants, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de grands restaurants au centre-ville, il en reste quelques-uns excellents, mais la plupart des restaurants maintenant s'ouvrent, tu vois, dans le Vieux-Montréal, le plateau Mont-Royal, le Sud-Ouest. Donc, on n'a pas des indicateurs de... On n'a pas des indicateurs forts. Il reste que les commerces, il y a un bon achalandage des commerces, puis il reste qu'il y a beaucoup de monde sur la rue parce qu'il y a énormément de gens qui y travaillent. Il y a aussi 10 000 chambres d'hôtel à proximité. Ça amène du tourisme. Mais on ne sent pas que les Montréalais veulent aller ou veulent développer le centre-ville. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un truc, moi, qui m'énerve, mais c'est plus de la colère, parce que ça fait tellement longtemps que ça dure que c'est de l'impuissance acquise maintenant. Et c'est son petit côté médiocre. C'est la médiocrité de notre centre-ville. Quand tu reviens de villes comparables à Montréal, là, mettons Strasbourg ou Washington, même plus petite que Montréal, puis que tu vois des choses comme ça, tu te dis pourquoi. Puis là, que j'envoyais pas un siffleux accuser le col bleu d'être paresseux, de ne pas avoir fait sa job, parce que si c'est un col bleu qui n'a pas fait sa job, ça fait 40 ans qu'il ne fait pas sa job. Puis pendant ces 40 ans-là, dites-vous bien là, qu'il y en a des inspecteurs qui ont dit « Moi, je vais faire marcher ça. Ça va être propre, puis je le garantis. » Comment ça se fait que plein de gens ne font pas leur travail dans notre ville sur une affaire comme celle-là, aussi majeure que celle-là? Et on a photographié que des ruelles qui sont visibles de la rue. On a photographié 50 ruelles, mais ça, c'en est une seulement. Là, vous avez notre forêt urbaine. Là... c'est vrai. Comment ça se fait que nos arbres ont l'air de ça? Mais je vais vous le dire, moi, pourquoi les arbres ont l'air de ça. Plusieurs raisons. Premièrement, il n'est pas arrosé. Les sites d'arrosage des arrondissements, là, ça varie entre 25 et 50 % 65 % au maximum. Ça veut dire que dans les trois premières années de la plantation, l'arbre devrait être arrosé. Celui-là, il n'est pas arrosé. Ça fait 3 ans qu'il est comme ça, puis il a été planté comme ça, puis il va retourner dans le catalogue comme ça. Puis après ça, il a été accroché à plusieurs reprises par des livreurs. Pourquoi? Parce qu'il est trop proche du bord de rue. Puis pourquoi il est trop proche du bord de rue? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace de trottoir en arrière. Et ensuite de ça, il a été frappé sans doute par des chenillettes parce qu'on voit que les barres de soutien ont aussi été tordues. L'autre a eu encore moins de chance. Là, c'est peut-être qu'il y a eu des travaux de rénovation ou je ne sais pas quoi. Il a été rasé. Des grilles de trottoir comme ça, sans arbres dedans, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Une autre affaire, c'est certaine médiocrité architecturale. Je ne veux pas parler de laideur, puis ce n'est pas ça l'objectif. Il faut parler de... on voit qu'il n'y a pas une prise en charge, une fierté, une envie que ça soit magnifique. C'est ordinaire, sans doute que le propriétaire le loue. Tu le veux comme ça, tu le prends, tu mets ton affiche, puis merci, bonsoir. C'est pas partout comme ça dans le monde. Ça, c'est des poubelles à Chicago. Puis ça, c'est des poubelles à Chicago avec quelqu'un qui nettoie autour, à côté d'un bar.
Puis, je ne voulais pas vous montrer 50 photos de poubelles juste pour vous dire que j'ai raison, mais laissez-moi vous dire que c'est comme ça partout dans la ville. Ça, c'est les carrés d'arbres à Chicago. Puis, on voit qu'ils sont arrosés. Là, on voit que ce que disait Glenn tantôt sur la prise en charge, ça, c'est important, la prise en charge des SDC, des commerçants. On n'arrivera pas à ça avec nos employés municipaux, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est parce que là, il y a un soin immense qui est ajouté, là, qui est une valeur ajoutée. À un moment donné, nous autres, à partir d'un certain niveau, il faut que tu mettes les ressources ailleurs. Tu ne peux pas continuer de mettre tout le temps les ressources sur une rue, sur des carrés d'arbres. Il y a trop de besoins. Et là, c'est ceux qui bénéficient de l'avantage de ça qui devraient s'en occuper. C'est comme ça partout aussi. Une autre chose, c'est sur l'architecture. J'ai fait attention de ne pas photographier des trucs à Londres ou à Paris ou à New York. Ça, c'est des villes à peu près comparables. À Montréal, un peu plus grosse dans le premier cas, là, c'est deux images de Chicago, All Saints puis Burberry, où ils ont fait des architectures qui sont propres à la rue. C'est vraiment fait, qui sont propres à leur établissement. Ils voulaient s'identifier à cette rue-là. Ils voulaient que les gens disent All Saints, c'est Chicago. Chicago, c'est All Saints. On veut que les gens le sachent. Burberry, encore plus, évidemment. En bas, c'est Assiné. À droite, c'est pas toutes des villes de droite. Hein. C'est la photo de droite, c'est à Barcelone. C'est Hugo Boss. Et Barcelone, Hugo Boss veut être associé à Barcelone. Il veut que son nom colle à la ville. Il veut que la ville colle à son nom. Quand nous aussi, on a eu ça à une certaine époque. Burks, Morgan, Sears, Eaton, où ils habitaient même dans la ville. Et puis, ils étaient fiers de construire des édifices comme ça, mais on ne l'a plus depuis un bon moment. On n'a pas cet engouement-là, cette volonté de s'associer à la ville puis de dire « voici, c'est Montréal, c'est à moi. Je veux que les gens sachent que je suis Montréalais, puis je vais m'occuper de mon commerce, puis de ma bâtisse, puis de ce qui est devant, puis ce qui est derrière. » Notre solution, c'est ça. Ça peut sembler bizarre. Notre solution, c'est de ramener la vie dans les quartiers. Si personne considère que le centre-ville est à lui, si personne se comporte comme si le centre-ville est un peu à lui, c'est ça qui génère les poubelles en arrière, puis c'est ça qui génère des arbres cassés en avant. Puis pour que les gens considèrent que c'est à eux le centre-ville, puis je vais faire un petit test avec vous hein, pour savoir si c'est à vous. Vous savez, dans les années 50, là, nos mères, vos mères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs grand-mères, là, c'était... Même s'ils se plaignaient du fait que le centre-ville était trop anglophone, c'était quand même le lieu qui les représentait au centre de la ville, qui représentait la Montréalité. Puis ils y allaient au cinéma, puis chez Tam Tam, puis chez je sais pas où. Puis ils en faisaient une sortie. Mais nous, est-ce qu'on fait du centre-ville de Montréal une sortie? Est-ce qu'on dit, chérie, c'est ta fête, je t'amène souper sur Sainte-Catherine. Les enfants, on s'en va bruncher sur Sainte-Catherine. On a de la visite qui arrive de Québec, on les amène sur Sainte-Catherine. On voit même dans les médias, dans les lignes gouvernementales, on entend des gens qui disent « Mais pourquoi moi, j'irais sur Sainte-Catherine chez Aldo alors qu'il y a un Aldo, à Place Rosemère ou au Carrefour Laval? » Y a-t-il quelqu'un qui a dit « Pourquoi j'irais à New York alors qu'il y a un Clark's dans le New Jersey? » Y a-t-il quelqu'un qui a dit « Pourquoi j'irais à Paris alors qu'il y a un Kukai dans la troisième banlieue? » Y a personne qui dit ça. La ville, c'est bien plus qu'un Kukai, un Clark, un Gap, un Aldo. La ville, c'est supposé exercer une attraction forte d'envie de découverte puis d'envie de rencontre, puis d'envie de flânage puis d'envie de magasinage. Puis tant qu'on n'aura pas fait des vrais quartiers dans la ville, on n'aura pas cette envie-là. Et des vrais quartiers, c'est... Ce gars-là, il est assis là, dites-vous bien que ce n'est pas parce que c'est confortable. C'est parce qu'il veut être au contact des autres. Il veut voir et il veut être vu. Puis cette madame-là n'est pas en train d'acheter ce magazine-là parce que c'est la place la moins chère pour l'acheter. Elle l'achète là parce que ça fait des années qu'elle l'achète là. Puis qu'elle est contente de retourner à ça. Puis moi, je veux croiser cette madame-là, puis je veux croiser ce monsieur-là. Puis surtout, je veux ça aussi. Il n'y a pas de terrasse sur la rue Sainte-Catherine. Il n'y a aucune terrasse. On ne voit pas les gens prendre l'apéro, on ne voit pas les étudiants affalés sur les tables en train de se pitcher des boulettes de papier, puis se piquer avec des bâtons de brochette. Il n'y a pas de... On ne voit pas des... on ne voit pas de vie. On voit des gens marcher dans un sens, marcher dans l'autre, avec une certaine vitesse par ailleurs. À travers le monde, maintenant, les rénovations urbaines passent par la vie, passent par l'envie de réinsérer la vie. Paris a fait la plus grande place publique d'Europe récemment, la place de la République. C'est pas parce qu'il manquait de place publique à Paris. Il n'y a pas un déficit de place publique. Tu dis, on va en faire une. Mais c'est un statement sur l'amour de créer leur ville ensemble.
et ont fermé leurs autoroutes, les deux côtés, les deux autoroutes, la rive droite puis la rive gauche. Là, on est sur la rive gauche avec Paris-Plage. New York a fait le High Line. On peut se poser la question, New York avait-elle besoin d'un High Line? New York n'a pas besoin d'un High Line. T'sais. Est-ce que New York a mis 6 milliards de dollars dans la rénovation de ses parcs? C'est vrai que le High Line, maintenant, il est entretenu par un groupe privé, mais le High Line a été construit aussi avec des investissements publics au début. Et 6 milliards de dollars pour attirer du monde. C'est la première fois cette année qu'il y a plus de monde qui viennent vivre à New York que de gens qui partent de New York. New York ne manquait pas de résidents pour autant. Mais c'est un amour de la ville, c'est un amour de la mettre en valeur, d'y vivre. Ça, c'est Bryant Park, c'est une piquerie géante il y a 15 ans. Maintenant, c'est le parc que tout le monde veut fréquenter, veut aller quand il va. Ça, c'est d'autres projets dans le monde. Ça, c'est Nicollet Mall à Minneapolis. Ça, c'est Pearl Street au Colorado. Ça, c'est Charlottesville. Ça, c'est Toronto. Ils ont enlevé quand même 3 voies de circulation. C'est extrêmement embouteillé à Toronto. Ils ont enlevé 3 voies de circulation pour développer toute la Harbourfront. Et ça, c'est le projet que j'aime le plus, c'est Melbourne, parce que Melbourne, ce n'est pas une chose qu'ils ont fait, c'est une multitude de choses qu'ils ont fait. Un peu comme ce que je rêvais de faire sur le plateau Mont-Royal, c'est d'agir sur tous les fronts, de dire je vais travailler sur multiplier les possibilités de places publiques, de travailler sur les coins de rue, de travailler sur les parcs, de travailler sur les ruelles dans leur cas. Leurs ruelles ressemblaient aux nôtres. Et de travailler sur les back alleys, puis d'en faire ça, là, il y a un intérêt à passer dans ce coin-là. Et ça aussi, c'est un beau projet qui a été fait il y a quelques années par une ville qui a décidé de se réinventer. C'est Montréal. Donc, c'est le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal qui est passé de 800 habitants à plus de 3000 habitants maintenant. On sentait une envie de redévelopper le Vieux-Montréal. Est-ce qu'on sent une envie de redévelopper le centre-ville de Montréal et la rue Sainte-Catherine? Les erreurs du passé, on n'apprend pas. Regardez cet énorme investissement qui nous a coûté très cher, 220 millions de dollars. Ça, c'est Sainte-Catherine devant le complexe des Jardins. On a fait du pavé. On a dit que ça va être beau. Les plans, c'était superbe. Sur les plans, il y avait des arbres matures sur les toits. Il y avait des enfants qui vendaient de la limonade sur le bord des autoroutes. C'est toujours comme ça, les plans. Mais en bout de ligne, il faut être vigilant puis il faut regarder ce que ça va donner. Ça donne la même siffleuse de rue qu'avant, avec 220 millions de dollars. Bon, c'est plus que ça, le 220 millions. Puis il n'y a pas juste eu des erreurs dans la place du festival. Mais la rue Sainte-Catherine, à cet endroit-là, quelle erreur! Quelle différence avec tout ce qu'on vient de voir dans les autres villes du monde. Il n'y a pas juste nous qui faisons des erreurs. Oxford Street à Londres, qui a fait une rénovation majeure de sa ville, puis eux aussi se sont fait dire qu'avec des petits élargissements de trottoirs, ça allait changer toute la dynamique. Là, on voit une bulle de trottoir. Et c'est une rue extrêmement congestionnée qui n'a pas beaucoup amélioré la vie des Londoniens. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'amélioration dans leur cas, mais en tout cas. Nous, notre solution, c'est notre modèle, c'est New York. On ne peut pas imiter Paris parce que Paris, bon, toutes les villes intéressantes, ce n'est pas une chose qui nous attire dans une ville intéressante, c'est un cumul de choses, c'est un itinéraire. On passe à Paris, dans le cas du musée d'Orsay, on traverse l'autre côté, on est dans les Tuileries, on évolue vers le Palais Royal, après ça, c'est les Champs-Élysées. Un moment donné, t'es écrasé par la splendeur. Puis, mais on ne peut pas imiter ça. Par contre, on peut imiter New York, qui, à mon avis, est encore plus intéressante parce que New York, c'est pas, on ne va pas là pour le One World Trade Center, puis la Statue de la Liberté, puis le Chrysler Building, puis l'Empire State. Oui, la première journée, mais ce n'est pas ça qui attire New York attire année après année des dizaines de millions de touristes. Ce qui attire des dizaines de millions de touristes à New York, c'est qu'il y a un enchaînement de quartiers vivants dans lesquels tu ressens une ambiance à chaque fois. Puis au sein de ces quartiers-là, tu vois les gens vivre, mais aussi il y a des éléments de splendeur. Alors quand tu passes du Chinatown à Little Italy, à North of Little Italy, à Washington Square qui est au pied de l'Université de New York, puis en même temps qui est juste à côté de Greenwich puis du West Village, où tu vois, on va voir des photos tantôt, tu vois des gens jouer, des étudiants se faire photographier avec leurs diplômes, d'autres en train de les photocopier. Il y a toutes sortes de choses. Non, c'est parce que je voyais quelqu'un dans la salle qui m'a fait penser à ça. il y a le Meatpacking District aussi, avec le High Line qui est complètement Bryant Park, Times Square, Fifth Avenue.
Non seulement tu es écrasé par le cumul de tout ce que tu as. Puis là, tu es resté sur Manhattan parce que si tu vas dans Brooklyn, il y a encore autant de quartiers que ça. Puis après ça, Queens. Puis après ça, au nord, au bout de Manhattan, Harlem, avec l'Université Concordia. Concordia, Columbia. J'ai trop parlé de l'Université Concordia. Tu as cette impression-là d'avoir vu le monde. Et c'est ça que nous, on peut peut-être essayer d'imiter. Sainte-Catherine traverse de très nombreux quartiers. On peut essayer ça. Alors voilà notre proposition. Notre proposition, ce n'est pas une proposition béton. C'est une proposition de réinsuffler de la vie sur la rue Sainte-Catherine avec deux choses. Avec plus que deux, mais deux en priorité. D'abord, le trait orange, de revoir la rue Sainte-Catherine, de revoir son aménagement. Et ensuite, de faire une série, ou de mettre en valeur, ou de faire une série de places publiques qui vont enrichir les quartiers. Et les quartiers vont enrichir la rue. La proposition, deux propositions, une voie partagée 6 mètres au centre, 7 mètres de trottoir de chaque côté. Ce qu'on met au centre, ça ne nous dérange pas. Si c'est des voitures, ce sera des voitures. On ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre des voitures dans la rue Sainte-Catherine. On pense que c'est une bonne idée de la piétoniser. Mais en même temps, la piétonisation, c'est pour occuper les trottoirs, pas juste par des marcheurs, par des terrasses, par des kiosques, par des pop-up stores, par toutes sortes de choses. Et en ce moment, c'est une rue qui est relativement fermée sur elle-même. Il n'y a pas beaucoup de restaurants, il n'y a pas beaucoup de bars. Si demain matin, on mettait des trottoirs très larges, les trottoirs seraient juste utilisés par les piétons qui auraient juste plus de place. Alors, nous, on espère qu'elle va être piétonnisée, mais on ne le propose pas. Puis je vous dis tout de suite la patente. C'est qu'on propose de piétoniser McGill. Puis je vais vous montrer pourquoi. Mais Sainte-Catherine, non, dans un premier temps. Par contre, on tient à une chose, mordicus, c'est la largeur des trottoirs. Notre proposition en haut, c'est des arbres à 0,75 mètres, 3,25 mètres pour la circulation, 3 mètres pour les terrasses. Circulation piétonne, 3 mètres pour les terrasses. C'est le minimum qu'on peut avoir pour avoir des terrasses. La proposition de la ville est impossible. Dans 4,75, c'est impossible de mettre des terrasses. Donc, si on fait la proposition de la ville, ça va rester exactement comme ça. Il va y avoir plus d'espace de circulation pour les piétons, mais il n'y aura pas de changement de nature de la ville, de la rue. Et après, il faut voir ce qui se passe avec les trottoirs, parce que les trottoirs, dans la ligne de service, il se produit ce genre de choses-là. Alors, en ajoutant un peu d'espace pour les piétons, oui, ça va être valable, mais on oublie ça, la possibilité d'avoir de la vie sur la rue Sainte-Catherine. Une des raisons pour laquelle on veut aussi avoir des trottoirs larges, c'est qu'on veut mettre des kiosques. Là, on a mis un modèle de kiosque. Pourquoi on veut mettre des kiosques? Parce qu'on veut faire sortir... Il y a beaucoup de résidents dans la ville. Il y a de plus en plus de résidents qui viennent habiter dans les condos. Ben, on ne sait pas qui va habiter dans les tours de condos, mais il y a beaucoup de tours de condos en construction. Et on ne les voit pas. Entre Guy et le complexe des jardins, donc à l'ouest de Guy, il y a des commerces pour vendre des pommes, des bananes, puis dans le complexe des jardins aussi, mais entre les deux, tu ne peux pas t'acheter une pomme. Fait que tu ne les verras pas, les gens qui habitent là. Tu ne verras jamais quelqu'un descendre de Westmount, pourtant tout proche, pour venir sur Sainte-Catherine s'acheter des croissants. Tu ne verras jamais ça. Alors, comme ça coûte peut-être trop cher d'avoir... l'immobilier coûte trop cher en commerce, mais on pourrait peut-être en attirer dans des kiosques comme ça. On les mettrait surtout au coin des rues, sur des coins qu'on aurait largement élargi du côté de la transversale. Et avec ça, on pourrait mettre autre chose, on pourrait mettre les décorations de Noël. Moi, je rêve de voir 4 kiosques comme ça avec des décorations de Noël mécanisées à Noël. Je rêve de voir, le point G qui a fait qui a relancé les magnifiques macarons il y a quelques années, viens les vendre sur la rue Sainte-Catherine. Le commerce qui va gagner le meilleur croissant à Montréal, il y a tout le temps un concours, on va donner en résidence pendant 3 mois, pendant 4 mois, un kiosque où tu vas venir vendre tes choses, puis peut-être que tu vas réaliser que tu fais vraiment une bonne business, puis tu vas peut-être t'installer sur un petit commerce en retrait de la rue, puis un peu plus tard, tu pourras peut-être t'installer sur la rue. Fait qu'il y a un écosystème qui va se construire de dynamisme, puis avec ces kiosques-là, ça pourrait être le designer de l'année, pendant 6 mois, pendant 1 an, on te donne ce kiosque-là pour exposer ou pour vendre même tes produits. Autre chose, vous vous rappelez de cette photo? On ne l'oublie pas facilement. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire du judo avec ça et de la transformer en
un intérêt pour Montréal comme Melbourne l'a fait, Melbourne à gauche ou à droite, bon, c'est à peu près la même largeur. On pourrait vraiment, peut-être pas partout, mais on a fait un inventaire d'au moins une trentaine de ruelles, dont certaines sont situées dans des quartiers, dans des endroits vraiment viables où on aurait envie de développer quelque chose. Ça, c'est à Londres, ça, c'est au Japon, ça, c'est en France. Donc, la possibilité de développer en ruelle, de développer en kiosque, de développer en terrasse, on ramène beaucoup de vie, on ramène des gens qui n'étaient pas là. L'autre possibilité, c'est de faire des places publiques. Une série de places publiques. La première, c'est la place des festivals. La place des festivals dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle n'était pas complètement réussie, mais s'il y a une chose qui est réussie, c'est bien les jeux d'eau. Les jeux d'eau ont révélé qu'il y avait des enfants qui habitaient dans ce quartier-là. Et de voir ces enfants-là, jouer, c'est vraiment, c'est ça le moment de rencontre entre un quartier puis un visiteur. Et c'est absolument magique. On aime beaucoup. On aime beaucoup aussi les balançoires qui nous donnent la possibilité de s'exposer ou de voir les gens dans une autre expression d'eux-mêmes, mais aussi une autre protection d'eux-mêmes. Ils sont dans le loisir, ils sont dans le rire, ils sont dans l'écoute de la musique. Ce n'est pas un homme d'affaires qui marche pour aller rapidement ailleurs ou quelqu'un qui s'enfouit dans une food court. Là, il y a quelque chose vraiment. Et on remercie beaucoup les créateurs de ça, puis les responsables municipaux qui ont permis le projet. Peut-être une chose qu'on ne voit pas assez, par contre, c'est l'UQAM. L'UQAM qui est juste à côté, on ne voit pas les étudiants occuper la place. Moi, je proposerais de mettre un kiosque sur la place, et oui, autrement qu'en manifestant. Mais d'ailleurs, la manifestation aussi. Moi, j'aimerais qu'elle prenne souvent le chemin de la rue Sainte-Catherine, que la manifestation soit vue et entendue au centre-ville. Donc, des kiosques, un kiosque sur la place. Pourquoi un kiosque? Parce que c'est un lieu de vigilance, d'une part, là, puis c'est un lieu d'occupation, puis il y a des tables, puis c'est intéressant. Puis, autour de ce kiosque-là, ce que je propose, c'est la solution de Vienne. À Vienne, c'était une ville uptight, coincée. Et de ce qu'on en sait, en tout cas, c'était la rumeur. Et ils ont mis des milliers de ces machins-là partout, dans les cours des palais, dans les universités, partout. Et ça a complètement changé. Il y a des milliers de jeunes qui vont maintenant à Vienne avec leur bière sous le bras. Et ça ne fait pas tant de bruit que ça, parce qu'eux, ils ont des palais fermés pour le quartier des musées, et ils peuvent l'occuper, ils sont plusieurs milliers. C'est absolument génial. Alors, une petite centaine de ces machins-là sur la place des festivals, un kiosque pour vendre des sandwichs, et le reste, ce qui est déjà, ça serait déjà très bien. On poursuit avec cette belle petite place publique. À gauche, c'est le Foot Locker. À droite, c'est le Café Presse. Puis, on ne peut pas avoir de terrasse sur cet espace-là, sans doute pour préserver les vues. Mais moi, je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux parce que c'est souvent vide. Ce n'est pas un espace occupé. Il n'est pas vivant. L'autre, c'est le Square Philippe. On arriverait donc au Square Philippe. Et puis, le Square Philippe, actuellement, voici sa configuration et voici son état. Donc, énormément des rues très, très larges. La rue Elmer, ici, Sainte-Catherine, là-bas, Union à l'autre bout. En réduisant déjà la rue Sainte-Catherine à une voie et demie, en fait, à 6 mètres. Hein, à 6 mètres, une voiture, c'est 2,2 mètres à peu près. Il y a de 1,8 mètres à 2 mètres. Donc, en mettant 6 mètres, ça passe, surtout sur une rue à 20 ou à 30 km/h. Bordé d'arbres de part et d'autre, avec élargi des deux côtés. Et puis, la même chose, surtout, on fermerait... pardon. Ici, on est sur Union. Regardez l'espace qu'il y a pour faire des belles choses. C'est cette rue qu'on... on la voit d'un autre angle. Et voici ce qu'on propose à la place. Donc, fermer la rue, des très grandes terrasses, un jardin public, un jardin qui sera ouvert 24... pas un jardin public, un marché public, un marché qui sera ouvert 24 mois par année, qui deviendrait un marché de Noël. 12 mois par année, excusez-moi. 12 mois par année. Et l'autre côté, l'avenue Union. Et puis ça, c'est intéressant. La rue Corrie-Philippe, c'est intéressant parce que c'est la rue Beaver Hall ici. Quand on continue par la rue Elmer, on arrive à Beaver Hall. Et Beaver Hall, ça nous amène à la place du frère André. Puis après, ça nous amène à la place Victoria. Et donc, on a le chapelet de place qui se construit dans deux directions. On quitte la place des festivals, on arrive au Square Philippe, on peut quitter vers le Vieux-Montréal par des très, très larges trottoirs. Et je pense que ça deviendrait le chemin privilégié
des touristes. Plus intéressant encore, l'avenue Union, quand on regarde l'avenue Union, est très large, inutilement large. Et au bout, est-ce que, oui, ça va être la bonne photo, tant mieux. Au bout, c'est la Reine Victoria et l'école, la faculté de musique de l'Université McGill. On pourrait donc faire un principe de réunion mère-enfant, puisque le prince Édouard sur le carré Philippe et on peut peut-être demander une subvention à Enfant Soleil. Et pour ça, ben, il faudrait faire du côté ouest un très large trottoir qui serait, ici c'est l'exemple du métro Laurier, un large trottoir de 10 mètres avec plantation, mais pourquoi pas, on peut l'interpréter à l'anglaise avec tulipes ou autres. Là c'est Ottawa, Ville-Mont-Royal, Outremont, Niagara Village. Maintenant, l'autre place. Alors là, on commence un peu tranquillement à être impressionné quand même. Si tu es un touriste, puis tu es passé devant deux places publiques, tu t'es chicané pour savoir est-ce qu'on va plus vers le Vieux-Montréal ou est-ce qu'on continue. Là, finalement, le couple se sépare. Il y en a un qui va vers le Vieux-Montréal, il y en a un qui continue vers toute l'affaire est ratée. Bon. Mais là, on commence à être impressionné. Et là, on arrive à la pièce de résistance, l'avenue McGill College. L'avenue McGill College, on s'en rappelle, c'est la plus belle vue sur le Mont-Royal avec l'hôpital Royal Vic. C'est une vue incomparable. Elle a un grand avantage, c'est que tous les accès de service sont tous situés ailleurs que sur la rue. Donc, pour se garer ou pour livrer, c'est soit sur la deux maisons neuves, Président Kennedy ou Mansfield ou Cathcart. Il y a un seul accès de service qui est sur celui du centre Eaton, où on pourrait, c'est pas un accès de service, d'ailleurs, c'est un accès stationnement, où on pourrait, avec une rangée de bollards, là, préserver une voie pour entrer. Et donc, on peut faire une place extraordinaire. Ici, on a pris le modèle de la place Victoria, mais c'est pas obligé d'être celui-là. C'est, en tout cas, une occupation de l'espace public. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent surtout pas se débarrasser de ces petits pommetiers, puis ça pourrait être une autre option. On pourrait garder les pommetiers, on pourrait avoir des très, très larges trottoirs avec des carrés d'arbres à la Chicago, comme ceux-là ou comme ceux-là. On pourrait avoir de la biodiversité, donc qui exploserait un peu partout sur l'espace de pavé, avec toujours nos pommetiers au centre. Donc, c'est un choix. On pourrait aussi le Bryant Park. Bryant Park, ça ressemble un peu à la proposition qu'on a sur la première que vous avez vue, celle pour laquelle on a fait une esquisse, avec des allées assez serrées, avec beaucoup d'allées, des chaises libres. Ça, c'est une place en Asie, au Vietnam, et ça, on pourrait la jouer à la française aussi, avec des arbres taillés, des larges bandes gazonnées, ou on pourrait tout simplement continuer ce qu'il y a à l'Université McGill. À l'Université McGill, cette belle allée bordée d'arbres, ce sont des érables, qui donc changent de couleur aux saisons. On a donc toute l'occasion de faire quelque chose de grandiose, et en plus, on passe du Mont-Royal, c'est-à-dire que nous, on fait cette portion-là, mais on a la chance d'avoir le grand terrain de l'Université McGill qui débouche sur le Mont-Royal. Alors là, on a vraiment un lien vert qui est, à mon avis, supérieur à celui qui a été proposé par l'administration. Je n'ai pas voulu vous montrer de photos. Mais après, il reste quelque chose. Il reste la place Ville-Marie. On voudrait aussi que l'esplanade de la place Ville-Marie soit mieux utilisée. Et il y a cet avaloir à voiture au bout qui met fin à la ville. C'est vrai, ça met fin à la ville. C'est comme piéton. D'abord, la rue Cathcart n'est pas belle, n'est pas jolie, n'est pas intéressante. Et puis, en plus, on dirait qu'elle s'est destinée à faire un stationnement. Alors, ce qu'on propose, nous autres, on propose deux copies. On n'est pas des designers, des urbanistes. On propose de... non, ça a raté. On propose de faire ça. Donc, de mettre devant la porte de garage, de poursuivre les escaliers. Alors, il y a ça où il y a le modèle New York de New York, Times Square. On propose de poursuivre. Ces escaliers-là deviendraient... Bon, ça marche pas. Ces escaliers-là deviendraient pleine grandeur ici. Puis ça serait des marches immenses, des marches très larges sur lesquelles on pourrait s'installer pour, d'abord, voir le coucher de soleil, voir la vue sur le Mont-Royal. On aurait le plus bel observatoire sur le Mont-Royal. Puis je vous ramène un petit peu en arrière. Ici, au pied de l'escalier, une fontaine pour les enfants. Parce que les fontaines pour les enfants, c'est devenu... Moi, je pense que de partout, on doit penser aux enfants. Puis je vais vous dire pourquoi précisément tout à l'heure.
Donc, on est là, on a une fontaine pour les enfants, on a des larges terrasses, on a la possibilité de mettre du mobilier urbain un peu partout. Je pense que là, on aurait la plus belle place publique de Montréal et de loin. Le deuxième carré bleu, ça serait une place publique plus dégagée pour recevoir les étudiants. Moi, je pense qu'il faudrait faire, je ne sais pas si on a la photo, j'espère. Je pense qu'il faudrait faire... Bon, ça, c'est... Excusez, comme cette photo-là se présente, je vais vous parler de celle-là. Ça, c'est Washington Park. Sur l'esplanade de la place Ville-Marie, de développer des jeux comme ça, regardez le nombre d'enfants, c'est hallucinant. Je suis sûr que ce sera un succès. Et si on fait ça, on va pouvoir avoir ça. Comme quoi, notre objectif, c'est quand même commercial. On va pouvoir avoir un Disney Store, Ghirardelli Original Chocolate, Amelie's de Londres, Juliette et Chocolat, FAO Schwartz. Il n'y a pas de magasin de jeux d'enfants sur la rue Sainte-Catherine. Regardez la façade du Montreal Cross de ce côté-là. Ce serait vraiment un endroit génial pour avoir ce type de magasin-là. Est aveugle. Ils ont collé des posters, puis ils ont mis des... étagères à l'intérieur, mais elle est aveugle sur notre plus belle rue. C'est bien pour vous dire que cette rue-là n'est pas bien utilisée. Puis les arbres ont été coupés aussi, sans doute ramassés par les chenillettes. Donc, cette place magnifique, là, on a vraiment achevé le client, là, parce qu'on a, un enchaînement, une vue, un enchaînement d'expériences, un enchaînement de personnes différentes qui y viennent, entre les travailleurs du centre-ville qui vont venir lire sous les arbres, les étudiants qui vont fréquenter l'endroit, les enfants et les familles. Puis, ce que je voudrais, travailler beaucoup sur le mobilier urbain. À travers le monde, le mobilier urbain s'est vraiment, vraiment développé. Regardez l'espèce de banc blanc. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça un banc. Ça, c'est Milan. Des exemples comme ça, là, ça pop-up partout à travers le monde de gens qui font des tentatives de faire des espèces de salons extérieurs pour accueillir le monde. Alors, on peut imaginer des bancs qui seraient disposés un peu partout. Et j'aimerais qu'on ait aussi, enfin, je ne sais pas si ce serait, un beer garden. Un beer garden pour célébrer les diplômes. Que les diplômes des étudiants de McGill se fassent là, que les diplômes, la célébration de l'UQAM se fasse sur la place des festivals, que Concordia, on vous montrera plus tard, puis que pendant une semaine, ils fêtent. Puis même le maire pourrait s'installer en haut des grands escaliers dont vous avez parlé, puis recevoir les diplômés des secondaires aussi. C'est vrai. De participer, de recoudre la vie communautaire et en même temps la vie urbaine, puis de boire de la bière en même temps. L'autre exemple, l'autre place publique, c'est le Square de Chester. Le Square de Chester, une perle qui a été refaite récemment par Cormier. C'est par-dessus un cimetière, c'est magnifiquement entouré d'immeubles, la Sun Life, le Windsor. Mais il y a plusieurs autres beaux immeubles, le bel immeuble, je vous ai montré juste deux, il y en a d'autres. Mais il y a aussi une médiocrité architecturale et aussi un abandon, une sorte de... On ignore le parc. Lorsqu'on est sur Sainte-Catherine, ici, c'est très difficile de voir ou de penser au parc. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est un élargissement de trottoir substantiel pour planter des arbres, puis pour amener, dans le même esprit que le parc, peut-être aussi des œuvres d'art, on en reparlera dans quelques instants. À cet endroit-là, particulièrement, c'est Dinou que j'aperçois là-bas, qui dit tout le temps « Let's give Peel a chance ». La rue Peel est magnifique, débouche sur le Mont-Royal, comme la rue Drummond, d'ailleurs, sur le sommet du Mont-Royal. Elle traverse plusieurs ambiances et elle aboutit aux abords, elle passe à côté de ce parc-là. Ce qu'il faut faire, c'est élargir partout. Vous voyez en blanc, on a élargi partout les trottoirs énormément. On met de ces immenses arbres, on les mettra dans des carrés d'arbres. Ça appellera les gens à aller vers le carré. On enlève surtout tout cet espace ici qui est en béton actuellement et retiré. On fait une terrasse ici pour un éventuel café. Avec des trottoirs plus larges et moins de voitures, on pense que les terrasses vont vouloir se développer aussi ici. Et on peut imaginer que le jeune homme qui lisait son livre tout à l'heure sur les marches de l'église lirait son livre sur les marches de la Sun Life parce qu'il ne serait pas face à un autobus ronflant, il serait face à un parc et proche du parc. Et ce sera un endroit aussi formidable pour mettre de l'art public parce qu'on n'est pas loin du Musée des Beaux-Arts.
On pourrait mettre de l'art public sur nos trottoirs élargis ou dans la partie du parc qu'on a récupéré, de l'art public magistral, comme cette fontaine flûte, et ou le Picasso à Chicago, par exemple. Pourquoi pas un peu de grandeur? Après tout, c'est notre centre-ville. La place suivante. La place suivante, c'est complètement différent. Là, on est à St. James the Apostle. On est incrusté dans l'Université Concordia. Et on a ce petit jardin qui fait face à la rue, ainsi qu'il est à gauche là, de l'église, l'ancien bureau de poste. Et on a une largeur de rue phénoménale. On pourrait faire devant de l'église, on pourrait faire une place publique de 12 à 15 mètres de long. On n'a pas fait de dessin pour celle-là, mais on peut imaginer toutes sortes de choses. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une place publique à l'Université Concordia. L'Université Concordia n'en avait pas. Elle en a eu une première avec Normand Béthune. Mais il faut les multiplier, les places publiques, dans cet endroit-là. Puis je vais vous dire pourquoi ça pourrait être vraiment une destination où on aurait envie d'aller. C'est que quand on arrive dans l'Ouest, il y a un grand quartier, mais qu'on peut diviser en deux, à l'ouest de Guy, entre Atwater et Guy, et entre Dorchester, c'est-à-dire Peel et Guy. L'espace à l'ouest, c'est vraiment magnifique avec Shaughnessy Village, regardez ça. On a le grand séminaire, on a les Sœurs Grises qui ont été vendues à l'Université Concordia, qui en a fait des résidences. On voit un jardin, le jardin principal qui est encaissé dans les constructions, mais il y en a quatre, puisqu'il y en a de chaque côté, et le CCA. On a en arrière du Collège de Montréal ce magnifique étang que personne ne connaît, enfin peu de monde, et qui est pour l'instant complètement désaffecté. Il y a les rues qui sont très belles aussi. Donc, on est dans une rue face au Centre canadien d'architecture. Il y a tout pour faire un quartier extrêmement intéressant, une sorte de West Village. Et par contre, beaucoup plus difficile du côté est. Beaucoup plus difficile autour de l'Université Concordia, avec une vue, on est à peu près très proche du Centre canadien d'architecture. On voit les petites rues et puis après, on voit la mer d'édifices un peu plus ingrats autour de l'Université Concordia, avec des rues comme ça où il y a très peu de verdissement, très peu de trottoirs, beaucoup de circulation. Alors, à cet endroit-là, ce qu'il faut faire, c'est un projet, excusez-moi, ça va être le mot politique, c'est un projet Montréal. Il faut regarder chaque détail. Par exemple, à l'ouest, Saint-Marc, Saint-Mathieu, les voitures vont beaucoup trop vite. Il faut multiplier les places publiques. Dès qu'on a un surplus, on achète un terrain, on fait un pocket park, on fait un terrain de basketball. Dès qu'on peut élargir, par coin de rue, on l'élargit, on plante, on fait ça. Ici, une saillie de trottoir plantée, un terrain de basketball sur un seul îlot avec une grande clôture parce qu'il n'y a justement pas de place pour jouer. De ce côté-là, en tout cas, du côté qu'on ne voit pas. Ça, c'est Sadie Khan qui avait verdi avec la simple peinture partout où elle pouvait. Ça, c'est un petit parc de coin aussi avec une table de ping-pong. Il faut domestiquer ce quartier-là, il faut l'aimer, et puis il va devenir la destination à laquelle on va vouloir se rendre parce qu'il est extrêmement intéressant. Il est multiethnique. Les étudiants de Concordia vont vouloir habiter là. Voulant habiter là, ils vont se mettre à aller sur les places publiques qu'on va avoir construites sur la rue Sainte-Catherine, ils vont déambuler sur Sainte-Catherine et ils vont enrichir la rue Sainte-Catherine de leur présence. Alors, voilà. Il y avait des acétates que je ne vous ai pas montrés, mais voilà notre solution. C'est une solution, c'est pas une solution béton, c'est une solution de redéveloppement du quartier. Et j'espère que l'équipe de l'administration Coderre aura la bonne intelligence de nous écouter. Merci.